Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, vous êtes avec le Droid Tech. Bonjour les droïdes. On se retrouve aujourd'hui encore sur Nintendo Switch pour la présentation d'un jeu, d'un open world basé un peu comme Zelda, j'ai nommé Pin. Je sais pas si vous l'avez découvert avant, parce qu'il existait déjà sur plusieurs supports avant la sortie sur Switch, parce que du coup, le jeu sur Switch a été repoussé plusieurs fois. Et il est sorti enfin le 26 novembre sur Nintendo Switch et j'en profite pour vous faire la découverte, le let's play de ce jeu open world action-aventure. Voilà, c'est comme ça qu'il est nommé. Et du coup, on va voir ensemble ce que ça donne, ce portage sur Switch. Est-ce que ça a encore été lésé ou pas? Donc, le jeu Pin est disponible sur PlayStation 4, sur Nintendo Switch maintenant, Xbox One, PC, Linux, excusez-moi, et macOS. On va y arriver aujourd'hui. Le développeur, c'est Trailborn. Et l'éditeur, c'est Congregate Incorporation. J'ai pas trop d'informations parce que du coup la fiche du jeu Nintendo. Enfin sur la Nintendo.fr n'est pas disponible. Du coup, j'ai été trouvé sur online de Nintendo.com niveau Canada. Et la taille du jeu fait 1,5 giga. Un seul joueur, voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire. C'est un jeu d'aventure et d'action qui se déroule dans un monde libre, simulé dans lequel les êtres humains n'ont jamais atteint le sommet de la chaîne alimentaire. Donc voilà, on va le découvrir tout de suite ensemble. Ah, voilà, enfin l'intro. Donc un temps de chargement extrêmement long, plus de 2 minutes. Donc je vous ai fait un cut au montage, mais c'est vraiment très très long pour charger la scène. Je tenais à vous le dire. Et là, on est sur Nintendo Switch. Donc autant profiter de la cinématique pour découvrir le jeu, parce que je le connais pas du tout. Bon, voilà, petite intro. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, par exemple, du début de la cinématique, là. Moi, j'ai pas trouvé ça très très propre, mais sachant que je joue sur le dock, là, donc en mode portable, peut-être qu'avec un peu plus petit écran, ça fait plus propre. Mais, bon, déjà, premier test, comme je peux le faire d'habitude. Hein. C'est pas comme sur Jumanji, où j'avais un flou dégueulasse. Là, c'est pas le cas. Au niveau de la modélisation, ça va. C'est pas... Donc, pour bouger la caméra, je suis avec le stick droit. Et du coup, je déplace mon personnage avec le stick gauche. Parler à Marla. Ok. Bonjour. D'accord. Quelques heures. Donc, je sous-titrerai en français. Là, voilà, on est aidé. Pour aller parler à la personne. Donc ce que j'ai bien aimé aussi, c'est au niveau des effets sonores. On a entendu le bruit de l'eau et tout ça, qui est super bien fait. Là, on entend les animaux et tout. Ah, te voilà. Nous avons presque fini les préparatifs. Ilma et Adwin ont demandé plus de ressources pour la cabane dans les arbres. Je voulais le demander à ton frère, mais je ne trouve nulle part. Encore plus de ressources. Oui. Je ne sais pas quoi exactement, mais s'il te plaît, va les voir. C'est parti. D'accord. Donc c'est bien parce qu'on est aiguillé, on a la petite boussole là, et on sait où on doit aller directement, on n'est pas perdu. Donc dans un open world, surtout au début, c'est pas mal. Histoire de se faire les bases, trouver ses points de repère, parce que là on est un peu perdu dans le jeu. Par contre, ça reste fluide. Même si graphiquement, c'est pas super propre. Je ne vais pas comparer à d'autres supports, hein, on n'est pas là pour ça. Ça reste fluide sur Nintendo Switch et c'est le principal. Juste attends, You. On voulait finir la cabane aujourd'hui, mais les roches sur lesquelles il repose sont si fragiles. Nous voulions consulter Jerry, mais il ne nous écoute pas. Peut-être peux-tu nous apporter plus de cordes, de bois et tissus souples pour quelques fortifications supplémentaires.
Jerry devrait pouvoir t'aider avec le bois de mare et cordes de bois. Et je crois que Luya plia du tissu souple près du lavoir. Je m'en charge. Bon, bah c'est parti. Donc voilà, donc pour l'instant, on va commencer la mission tranquillement. Donc là, c'est parti pour un let's play hein, d'une vingtaine, trentaine de minutes, voire plus, si je kiffe le jeu. Après, n'hésitez pas à me le dire à la fin de la vidéo, je vous demanderai. Hein, mais si vous voulez que je continue le let's play ou pas de Pin sur Nintendo Switch. Donc le prix, enfin là, c'était en dollars canadiens. Donc du coup, il était aux alentours de 30 dollars canadiens, ce qu'il est à 30 euros. Si j'ai le prix, je vous le mettrai dans la description. Je suis un peu occupé. Puis-je t'aider? Lima et Edwin ont besoin de plus de cordes de bois pour fortifier la maison. Encore plus, cordes de bois ne poussent pas dans les arbres. Eh bien, tu sais ce que je veux dire. La cabane dans les arbres n'est pas assez stable, ont-ils dit. N'importe quoi. Nos maisons sont aussi solides que d'habitude. Ils insistent. Je suis beaucoup trop occupé à préparer la cérémonie, mais tu peux utiliser le bois de mare sur la caisse pour fabriquer du cordes de bois toi-même. Oula. Dis-leur que ça devrait certainement le faire. J'ai hâte d'être aux célébrations d'aujourd'hui. Tu as reçu une idée. Ce sont des concepts d'éléments que tu peux créer toi-même. Ouvre ton menu avec plus et accède à l'onglet idées pour créer des idées lorsque tu disposes des ressources. Donc plus idées. Donc là je me déplace avec R. Voilà. Épingler. Ok. Infiltrer C pour. Ok, donc là on a les sauvegardes. D'accord, donc là sur le menu. Quand j'appuie sur X, hein, j'ai le menu qui apparaît. Hop. Par contre, ce qui est bien, c'est dès que j'appuie sur le joystick. Et bon, on va essayer. Et voilà. Bois de mare. J'en ai guidé. Donc là, par exemple, le bruit de l'eau est super bien. Au niveau de la modélisation, bah, par exemple, de l'herbe et tout ça, c'est pas terrible, terrible, hein, on le voit. Il y a pire, mais on pourra avoir mieux. Ok, là on va aller là-bas. Oups. Voilà. Luya. Salut. Salut, Luya. As-tu encore du tissu souple pour la cabane dans les arbres? Ou j'ai peur d'être bien occupé avec le linge d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a appris comment fabriquer du tissu souple toi-même? Tu pourrais peut-être le faire pour Adwin et Ilma. Bon, voilà, ça c'est fait. On va retourner là-bas. Il faut qu'on aille là. D'accord, on ramasse les objets. Ok. Là, j'avais un truc, mais ça a l'air d'avoir disparu. D'accord. Là, j'ai la mission sur le côté de ce que je dois faire. Où j'ai fait le tour. Je récolte. Ça a pas mal de petits freeze, hein, on le voit. D'accord, je suis revenu là. Qu'est-ce que tu veux? Rien, je viens juste te dire bonjour. Eh bien, j'ai de main là pour ce ragoût que tu aimes tant. Je ne comprends pas. Personne ne comprend, eux. Ah, d'accord. Ok. Alors, obtiens du tissu souple et de la corde pour les renforts. Donc voilà. Là, j'ai créé. C'est bon. Donc, il ne me reste plus qu'à retourner là-bas. On découvre. Hein. Donc là, on voit bien hein, la profondeur de champ. Elle est pas terrible, terrible. Hein. Là, je vous fais un petit topo vite fait. C'est pour ça que je suis monté par là. C'est pas la seule raison, mais je voulais voir un peu en hauteur. Et du coup, bah, on voit les limites de la Nintendo Switch. Pas terrible. Hein. En plus, on a vu quelques petits bugs. Bah, c'est comme là la modélisation. C'est pas ça qui est ça, quoi. Donc là. Hop, c'est bon, j'ai fait la corde. Du coup, on voit que j'ai rempli mes objectifs et que je dois retourner au campement. Parce que du coup, en haut à droite,
J'ai le petit symbole qui m'indique de retourner revoir mes amis. Hop, on va se mettre là comme ça. Et voilà. Apporte les ressources sur le chantier. C'est ce que je fais. Merci, U. Espérons que ça fera l'affaire. Il faudra bien, nos armes ne poussent pas aussi vite qu'ils le devraient. Même si le bois de Mars sera bientôt disponible. Alors peut-être qu'il est temps d'explorer les terres ci-dessous. Nous n'allons pas à dehors pour en trouver plus. Nous savons tous que ce n'est pas une option. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous célébrons l'achèvement de cette magnifique nouvelle cabane. Terminons ceci et organisons la cérémonie. U, tu ne trouves pas, je trouve ton frère nulle part. Pourrais-tu le faire venir à la cérémonie? Il est probablement dans son coin en train de travailler sur ses bêtises. Où je trouve U. D'accord. Voilà. Là, il est... Voilà. Donc là, je peux courir en appuyant sur B. Y pour ça. Ah oui, d'accord. Donc là, on le voit aussi derrière. Par rapport à la profondeur de champ, là, on voit rien du tout. Salut, U. Jerry m'a fait porter des bûches toute la journée, alors je me suis retiré un peu. Je pense avoir repéré une autre de ces créatures blanches et visqueuses ci-dessous. Si tu plisses tes yeux assez fort... Non, merci. Je vais bien. Ah ah, tu ne devras jamais retourner le regard. Il y a tant à explorer et à voir. Eh bien, pas si tu écoutes Marla et Jerry. C'est nul. Tout ce qui les intéresse, ce sont leurs cabanes et leurs cérémonies. Il doit y avoir plus dans le monde que cela, non? À propos de la cérémonie, elle commence bientôt et ils m'ont demandé de venir te chercher. Eh bien, il nous reste encore un peu de temps. Tu te souviens de cette construction étrange dont je t'ai parlé? Je pense avoir une idée sur la façon de l'ouvrir. Je ne sais pas, Hammam. Tu sais ce que Marla dit à propos de s'éloigner trop de la maison? Ah, allez, il reste encore un peu de temps avant la cérémonie. Retrouve-moi sur l'espace de récolte quand tu seras prêt et je te montrerai. Bon, bah comme ça, c'est fait. Ok. Rencontrer. Ah, bah, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à récolter? Non. Là. Ouais. Par contre, là, le fait de sauter, il n'y a pas d'action, quoi. Je saute, hop, c'est... Bon, c'est nul, quoi. Il n'y a pas l'action comme à la Tomb Raider. Hop, du coup... Ah, il est là-bas, d'accord. Allez, on y va. Je savais que tu serais intéressé. Eh bien, je fais ça pour toi. Nous devrions rapidement manger quelque chose avant d'aller explorer. Prends quelque chose... Prends quelques patates maigres là-bas. Elles vont te redonner de l'énergie en un rien de temps. Hop. Là, il y en a récolté. Matériel pour épingler les aliments à manger, d'accord. Fait de la récolte, maintient elle. Hop. Utiliser épingler. Et voilà. Ça, c'est fait. D'accord, allons voir ce que nous pouvons trouver. Nous serons de retour avant que cette vieille Marla ne s'en rende compte. Le dernier doit manger deux bols de ragoût de Marla. Psst. Oh non, reviens, c'est pas drôle. Mon poulet. Ah. Ok. Oh, le jump.
Bon, le voici. J'ai enlevé une partie des buissons et j'ai trouvé cette chose ronde suspendue là-bas. Je me suis dit que nous devrions probablement le toucher avec quelque chose, mais un caillou ne suffit pas. Alors voici, j'ai fait cette fronde. Je te laisse l'honneur, voyons voir ce qu'il se passe. D'accord, tu sais faire des attaques à la fois rapprochées à distance bascule entre les deux en utilisant X. Utilise cette aile pour charger avec ton arme et ZR pour tirer. Parcours. On y va. Bah voilà. Archi balèze quand même. Waouh. Voyons ce que nous avons trouvé. Ah mais attends. Ah non, on peut pas attendre, on va aller voir. Donc c'est bien, on a les objectifs sur le côté. Ça nous évite de nous perdre. Passe quelque chose. C'est parti. Donc temps de chargement assez rapide là. Donc ça fait déjà environ une vingtaine de minutes qu'on est ensemble. Pour l'instant, ça se laisse jouer. Après, oui, c'est une copie de Zelda, certes, mais on est très 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 loin de du Zelda. Ça ressemble à un véritable objet d'aventure. Il y en a un autre, tu devras le prendre. Alors, on y va. Regarde, regarde, si tu le balances quelques fois, tu auras l'air vraiment plus puissant. Ouais, pour l'instant. Ça fait quelque chose. Bon, ça sert à rien. Donc je m'attire X. Là, je peux, à mon avis. D'accord, si tu le tires un moment derrière la tête et le relâches ensuite, tu feras une attaque beaucoup plus puissante. Hop. Ok. On va donner des coups contre les attaques. Ces créatures blanches gluantes ne pourront rien faire contre nous. Ah. Appuie sur R pour effectuer un gros coup. D'accord. Combinons des techniques d'attaque. La possibilité infinie. Ah bah oui. Appuie sur B, puis ZR pour effectuer un petit coup. D'accord. Ah, c'est bon. Oula. Je croyais qu'il était un peu fort. Ah, même ça va. Je vais bien, j'ai perdu mon équilibre. Oups. C'était excitant, mais maintenant je vais devoir sortir d'ici. Vois-tu un moyen de sortir? Il y a une porte en bois avec une petite note à côté, ça te dit? Gauche, gauche, 3, une idée? Je vais voir ce que je peux trouver. D'accord. D'accord, on peut allumer les torches, nickel. Ah, mam, tu m'entends? Clair et net. Je suis bloqué de ce côté aussi. Qu'est-ce que tu disais déjà? La seule chose que je vois, c'est gauche, gauche, droit, écrit sur une note. Ok. Ça a marché. Voyons voir si je peux ouvrir le tien maintenant. Ouf, content que nous ayons pu sortir de là. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux aller un peu plus loin? Je ne sais pas, man. C'est chaud quand même, hein. Nous sommes tous les deux toujours là, non? Allez, mange un peu de nourriture si tu en as et nous pourrons continuer. D'accord. Donc on peut appuyer sur L, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà. Il faut chercher Amon.
Et les peintures. Regarde ça. Donc c'est vraiment dommage que les voix françaises ne soient pas doublées en français pour vraiment avoir une immersion totale dans le jeu. Voilà. Donc là on est en phase de recherche, donc c'est bien ce qui est dit, hein. Action, aventure, découverte. Ces chiffres ressemblent à humain. Et le grand là-bas, waouh. Il doit être un aventurier venant de dehors. Et il semble les avoir quittés à nouveau à un moment donné. Pourrait-il être les humains de notre falaise, nos ancêtres? Ce n'est pas possible, nous n'avons jamais été en dehors. Si? Eh bien, qui d'autre aura fait ce dessin? On dirait qu'ils ont fermé cette grotte derrière eux. Ne comprends-tu pas ce que cela signifie? Cela signifie que des humains étaient en dehors à un moment donné. Nous pourrons y retourner un jour. Il doit y avoir plus sur ces terres que les créatures effrayantes dont on nous parle, non? Nous devrions prévenir Marla de ce que nous avons trouvé. Ouais, elle doit être au courant, hein. Et nous devrions nous dépêcher pour la cérémonie, je pense. Vas-y, je peux regarder ça un peu plus longtemps, j'arrive. Je pourrais regarder ça pendant des jours. Vas-y, sans moi, je vais te rattraper, d'accord. Retourner à la tribu. C'est dommage parce qu'on aura pu continuer à explorer. On a encore le temps. Du coup, je vais quand même continuer un petit peu par là, voir s'il y a quelque chose. Donc, hormis la modélisation, c'est un bon jeu, hein. Y a rien à dire. Évidemment, faut oublier le côté. On veut comparer, mais. Faut oublier le côté Zelda. Voilà, voilà. Par exemple, le Sola, il est. Bon, bref. Mais sinon, ça reste un bon jeu à jouer. Après la durée de vie, c'est à voir. Hop. Peut-être qu'en mode portable il est beaucoup plus propre, hein. Ça, on l'a déjà vu. Hein. Voilà. Après au niveau effet sonore, c'est correct, hein. C'est dans la thématique du jeu, il n'y a rien à dire là-dessus. Après voilà, il y a les actions, c'est un peu à chier, quoi. C'est un peu plus modélisé, un peu plus de travail aurait été pas mal. Surtout qu'il y a eu ce que je vous ai dit au début. Hein. Il a été deux fois reporté le jeu. C'est ça qui est vraiment dommage. Du coup là faut que je retourne à la tribu, on va y aller. Donc si vous voulez la suite de ce jeu, donc PIN sur Nintendo Switch, là j'ai vu un truc, ah oui d'accord, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si vous avez apprécié, c'est une vieille note, il est marqué, ah oui d'accord, c'est ce qu'il y avait, ok, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça j'aurais bien aimé que le personnage s'agrippe pour monter... Ça aurait été sympa, plutôt qu'un vieux saut des années 90. Même Lara Croft sur PS1 faisait mieux, quoi. Et voilà. Donc déjà 30 minutes de passé et j'ai pas vu le temps passer, sincèrement, entre nous. Hein. J'aime bien. Oh, on va se taper la vieille mémé, là. Tu as encore agi, bah même. Et en plus, tu as amené le jeune U avec toi. Merde. C'est ce qui aurait pu se passer là-bas. Tu sais que tu ne devrais jamais quitter le périmètre. Désolé Marla, mais nous avons découvert que nous sommes... Ça ne m'intéresse pas du tout de savoir ce que tu as trouvé. Tu sais très bien que c'est interdit et que nous devrions rester à l'intérieur du village comme nous l'avons toujours fait. Mais c'est exact. Maintenant, retourne au village. Tu es déjà en retard pour la cérémonie. Tout le monde vous attend. Bon, c'est parfait. Pff, tu avais raison petit frère. Elle n'était vraiment pas contente. Nous devons vraiment lui dire ce que nous avons vu. À moins qu'elle le sache peut-être déjà. Elle est ici depuis plus longtemps que nous. C'est ce que je vous disais. Hein. Elle doit être au courant de ce qui s'est passé, du Beans. Et du coup, elle essaie de cacher encore la vérité pour éviter d'aller chercher. Mais voilà, plus elle va vouloir ne pas écouter, plus ça va attiser nos personnes. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Mais d'abord, dépêchons-nous pour la cérémonie. Oula, que je fasse pas de conneries. Oula, le vieux bug. Le vieux bug de merde.
Bien, maintenant que nous sommes tous enfin arrivés, la cérémonie peut officiellement commencer. Merci Marla. Dans le respect de la tradition, je voudrais remercier tout le monde pour leurs efforts. Cela prend un peu plus de travail et de ressources que d'habitude, mais nous avons encore réussi. Notre nouvelle maison est haute et forte. Nous devrions continuer à agrandir notre village. Notre prochaine maison sera juste à côté de celle-ci et sera encore plus grande et plus belle. J'aimerais maintenant appeler Ima et Khan pour transmettre officiellement cette cabane. Et après, ça sera un régal. Donc c'est vraiment qu'il y a le problème de sentiment là, sur le jeu. On le retrouve sur plusieurs jeux sur Nintendo Switch. Je pense que je vais vomir si je sens encore une fois l'odeur du ragoût sec. Je ne vois pas pourquoi Jerry tient tellement, c'est comme s'il ne voulait participer à ces cérémonies uniquement pour manger le ragoût. Il en mange vraiment beaucoup. Regarde ça, encore une autre cabane en bois, nous sommes vraiment créatifs. Mère interdit d'essayer quelque chose de nouveau pour changer. Si jamais je devenais chef, nous essaierions certainement quelque chose de nouveau. Oula. Ça, il l'avait dit. Hein. Au début, on l'a vu tout à l'heure. Le terrain n'était pas propice. Tu viens d'en haut, n'est-ce pas? J'ai toujours eu l'intuition qu'il y avait une espèce en haut de cette falaise. Je n'ai jamais osé imaginer que ce serait des humains. Cette falaise est un endroit dangereux. Nous l'appelons ici la falaise instable. Ce n'est pas pour rien. Je peux imaginer le choc, mon gars, mais tu ne rêves pas. Nous pourrions tous les deux être pris au piège, suis-moi. Donc voilà pour le début du test de PIN. Donc premier let's play découverte sur ce jeu. Mon ressenti, pour moi, il est très bon. Même si graphiquement, c'est pas la panacée, je vous le dis direct. Hein. Je suis très déçu sur ce portage. J'aurais préféré beaucoup plus de travail pour que le jeu soit encore plus beau. Du coup, c'est vraiment un jeu où je vous conseille. Bah, après, si vous avez qu'une Nintendo Switch, prenez-le sur Nintendo Switch. Hein, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais si vous avez l'occasion d'avoir un PC avec une bonne carte graphique, attention, hein, une GTX 1660, par exemple, ça le fait largement. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller péter une RTX 2070 ou 2080 Ti ou Super. Mais ou si vous pouvez l'avoir sur PS4, Xbox One, même si j'ai pas vu encore les retours. Mais pour en profiter vraiment graphiquement, pleinement comme il faut, et pas en mode détérioré comme ça. Sinon, bah, ce que j'aime bien, c'est les phases d'action-aventure. Donc même si pour l'instant, ça n'a pas été trop poussé. Au niveau des menus et tout, ça reste correct. Hein, voilà, il n'y a rien à dire, c'est intuitif. Voilà. Au niveau des mouvements, c'est fluide aussi. Après, on a vu la profondeur de champ, c'est pas trop ça. Mais du coup, on est vraiment limité par les caractéristiques spécifiques à la Nintendo Switch. Même, vous allez me dire, même si Zelda voilà, proposait un truc. Bon, voilà, c'était sublime et c'était un des premiers jeux sur Nintendo Switch. Voilà, PIN, y a un problème, quoi. Ça aurait été bien de copier un peu les bons côtés de Zelda. Voilà. Au niveau de la bande-son, bah, moi, je trouve que c'est correct aussi. Hein, c'est vraiment dans le thème, la nature, la découverte. C'est pas trop punchy, pas trop on s'endort, donc c'est correct. Là, gros défaut, bah on a vu pas mal de bugs pendant le jeu, donc ça sera certainement corrigé ou à corriger avec les futurs patchs qui vont arriver, les futures mises à jour. Là, par exemple, hein, le jeu, je suis vraiment dans la première mise à jour du jeu. Peut-être qu'en faisant les autres mises à jour du jeu, quelques bugs seraient corrigés. Après, ce que j'aime pas du tout, mais alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le fait de monter sur les rochers en mode PS1 N64 de l'époque.
Non, non, maintenant on peut mieux faire, on peut modéliser le personnage qui monte. Alors oui, peut-être que, bah là par exemple, hein, les pieds dans la boue comme ça là, et là on voit la pixelisation de l'ombrage, on le voit clairement, hein. Bah non, non, maintenant on fait plus ça en 2019. Vous regardez Zelda, vous regardez d'autres jeux, au niveau de la modélisation de l'ombrage, c'est vachement mieux fait. Là on est clairement en pixelisation, hein. C'est vraiment de la merde, faut le dire. Donc voilà, si vous voulez la suite de Pin en let's play, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de continuer ce jeu avec vous. Et je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut!